Hello mga beshi, sama kayo sa amin sa aming pag road trip. Punta po tayo ng France. Ang destination is Amiens. Ayan. Ito po yung hotel namin, yan. Hotel Victor Hugo. Diyan po kami. Yung staycation namin for 2 days. Yan yung sa baba po. Pagpasok mo ng entrance ng lobby, yan po yung ano namin. Yan po yung aming room. Ayan. Yung bintana namin. Nasa central po kami, sa center ng Amiens. Walking distance from the cathedral. At saka malapit na rin po kami sa mga shopping center. Very convenient po. Hindi po siya malaking hotel, pero matutulog lang naman po kami. Good day or good morning, eh? Is that so? Good morning, without exception. Good morning, without exception. Good morning, without breakfast. Sit there. At na po dito yung yogurt. Meron na po dito na. Croissant. Baby croissant. Sugar. And then jam. And a butter. Orange juice in France. Okay, so let's have breakfast now. Né par le jeune architecte amiénois Louis Dutoit, qui prend plaisir à imaginer un décor foisonnant de nature. Singes ou cigognes viennent en effet peupler cette façade. Ainsi figure l'hôtel particulier plus couvagnier, que vous pouvez admirer bientôt sur votre gauche, joyau de l'architecture à Rambeau. Là aussi, il n'est pas placé là par hasard. À droite, c'est l'avenue de Normandie, la route de la Libération, qui arrive de Rouen. Le général Leclerc est arrivé avec ses troupes par cette avenue, et vous avez les 2666 noms inscrits. Amiens Cathedral.
Ce cirque, pensé pour accueillir 3000 personnes, est centré sur une piste circulaire, surplombée d'une toiture composée de 16 fermes métalliques qui convergent vers un lanternon. Véritable défi pour l'époque, aucun pilier ne vient entraver la vision du spectateur. D'aucuns pensent que le ciel du cirque leur tombera sur la tête. L'architecte pousse l'audace en faisant installer deux machines à un sous-sol, l'une pour chauffer l'édifice, d'où la présence de cette grande cheminée à l'arrière du bâtiment, l'autre pour éclairer le lieu grâce à la nouvelle électricité.